Regardez la vie des diocèses avec la Mutuelle Saint-Martin. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la vie des diocèses. Comme chaque semaine, nous partons à la découverte d'un territoire, d'un diocèse et de son évêque. Et aujourd'hui, direction l'Île-de-France pour parler du diocèse de Pontoise qui épouse les limites départementales du Val d'Oise. Dans cette édition, nous découvrirons la création d'un nouveau tiers-lieu d'église dans la cité des Raguenais, avec de nombreuses associations et initiatives accueillies dans ce qui s'appellera Saint-Paul des Nations. Et on entendra le témoignage de Léo, un des jeunes catéchumènes qui sera baptisé durant la nuit de Pâques. Quelques mots pour commencer sur le Val d'Oise, un département dynamique au territoire contrasté, avec la moitié est composée de zones urbaines très denses, avec les villes d'Argenteuil, de Pontoise, de Sarcelles, de Garges-lès-Gonesse ou bien encore de Montmorency ou d'Enghien, et les vastes espaces ruraux de la moitié ouest, marqués par deux parcs naturels régionaux du Vexin et de l'Oise, Pays de France. Cergy-Pontoise, vous le savez peut-être, représente le second pôle universitaire d'Île-de-France avec environ 30 000 étudiants. Et fondé en 1966, le diocèse de Pontoise est l'un des plus récents de France et aussi un des plus jeunes de la métropole avec la Seine-Saint-Denis. Pour parler du diocèse de Pontoise, je reçois aujourd'hui Mgr Stanislas Lalanne. Bonjour Mgr. Bonjour. Alors comment est-ce que vous pourriez nous présenter votre diocèse en quelques mots? J'ai donné un peu quelques points de repère du territoire, mais comment vous nous présenteriez la vie des catholiques qui le composent? Alors, vous avez raison, c'est un diocèse dans une terre qui est très contrastée, avec des zones de grande précarité, zones universitaires, zones très urbaines, et puis aussi la moitié du territoire qui est rurale. Et la population aussi, et les fidèles du diocèse viennent de toutes origines, 140 nationalités différentes dans le Val d'Oise. Et donc vous imaginez les communautés chrétiennes, les assemblées du dimanche qui sont de toutes couleurs de peau, de toutes origines, avec énormément de jeunes. C'est le premier département dans l'Hexagone avec le diocèse de Seine-Saint-Denis qui est le plus jeune de France. Et ça donne aussi une belle dynamique à notre diocèse, oui. Quelques points de repère pour vous présenter, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas encore. Vous êtes depuis 2013 le cinquième évêque de Pontoise. Et parmi vos différentes responsabilités, vous êtes notamment, parce qu'il y en aurait beaucoup d'autres, membre du dicastère pour la communication et président de la Fondation nationale pour le clergé. Vous êtes né en 1948 à Metz, ordonné prêtre en 1975 pour le diocèse de Versailles. Vous avez été au service de la Conférence des évêques de France de 1999 à 2007, comme secrétaire général adjoint et porte-parole, puis en tant que secrétaire général. Et en 2007, vous avez été ordonné évêque de Coutances et Avranches. Vous êtes resté jusqu'en 2013. Alors, je vais commencer par ça. Vous êtes un auteur prolixe, Mgr Lalanne. En tout cas, vos informations sont bonnes pour la biographie. Déjà, tant mieux, ça commence bien. Alors, votre dernier ouvrage, Qui nous ouvrira le bonheur, a été coécrit avec le théologien François Bouquet, qui est curé qui est curé dans le Val d'Oise. La recherche du bonheur, c'est vraiment le point commun de tous les hommes, de toutes les femmes, quelle que soit leur culture, leur origine. Quelles que soient les origines, quelles que soient les cultures. C'est une question fondamentale, c'est la question du sens, enfin, quel avenir? Et c'est vrai que depuis quelques années, avec le confinement, la pandémie, aussi la situation internationale, un avenir incertain pour beaucoup, les questions existentielles profondes réapparaissent. Et avec François Bousquet, qui a été avant recteur de Saint-Louis des Français à Rome, qui est théologien, qui est curé à Magny et en Vexin, en duo, nous avons souhaité faire des conférences de carême à la cathédrale l'année dernière. Et à partir de ces conférences de carême, qu'on a remaniées bien sûr pour l'écrit, on a souhaité aborder des grandes questions de l'espérance, de la vie, de la mort, de la souffrance. Que disent les chrétiens? Avec cette originalité que j'ai fait appel, selon de témoignages, rendus anonymes bien sûr, de catéchumènes et de confirmants, jeunes et adultes, tellement nombreux dans notre diocèse, qui donnent, de la chair et de la vie à ce livre. On pourra reparler de toutes vos rencontres avec les catéchumènes, mais avant ça, revenons sur l'annonce que vous venez de faire ce dimanche 26 mars. À la basilique d'Argenteuil, vous avez annoncé donc la tenue d'une ostension exceptionnelle de la Sainte Tunique
au printemps 2025, durant laquelle la Sainte Tunique du Christ sera dépliée et exposée à la vénération des fidèles, comme ça avait été le cas en 2016. En 2016, c'est vrai qu'on avait fait cette grande ostension. On a été, non pas débordé, mais on était admiratif du nombre de pèlerins. Milliers et des milliers de fidèles. Et des 220 000 qui sont venus en 15 jours. Là aussi, de toutes origines, venant de la France, venant d'autres pays. Et je crois que cette tunique, elle a été redécouverte du temps de Charlemagne, mais elle est symbolique de ce qu'a été. Elle rappelle fortement ce qu'a été la passion du Christ, qui a donné sa vie pour tous, un salut pour tous, et qui a été jusqu'au don de sa vie. Et je pense que pour des pèlerins venant de, comme j'ai dit, de toutes origines, mais aussi de tous milieux sociaux, elle a un impact. Et je me suis rendu compte que de venir contempler cette tunique, de venir prier à la basilique d'Argenteuil, ça a provoqué beaucoup de conversions et un certain nombre de jeunes et d'adultes ont demandé le baptême suite à cette ostension. Alors, de fait, j'ai pris cette décision, cette émission tombe bien, que ce soit le lendemain de l'annonce, de ne pas attendre 50 ans pour avoir une nouvelle grande ostension. Et donc, ça sera printemps 2025. Vous savez, c'est l'anniversaire du Concile de Nicée. C'est une année jubilaire qu'a proposé le pape François. Donc, ça tombe bien. Voilà. Alors, avant de plonger dans la découverte du diocèse de Pontoise, un mot peut-être sur une mission que vous a confiée le pape François en juin dernier, puisque vous avez été nommé visiteur apostolique pour l'archidiocèse de Strasbourg, en étant assisté Monseigneur Joël Mercier, secrétaire émérite du dicastère pour le clergé. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cette visite? Ça a été des rencontres intensives. Je crois que c'est une manière pour le pape de prendre soin d'un diocèse. Et donc, il m'a demandé à assister de Monseigneur Mercier de visiter ce diocèse, de rencontrer beaucoup de personnes, des consacrés, des prêtres, des diacres, des laïcs en mission, etc. Et j'ai rendu mon rapport au pape en fin octobre dernier. Donc c'est lui qui me l'avait demandé. C'est à lui que j'ai rendu compte personnellement de ça. Je ne peux pas en dire plus maintenant. C'est dans les mains du pape. Alors nous allons maintenant voir ce premier reportage. Comment imaginer une nouvelle présence d'église au cœur de la cité? Construite en 1973, la chapelle Saint-Paul des Raguenais à Saint-Gratien devait être rénovée. La paroisse a saisi cette opportunité pour imaginer un nouveau projet pastoral missionnaire, la création d'un nouveau tiers-lieu au cœur de la cité appelé Saint-Paul des Nations. Notre reporter Ophélie Marien a commencé par aller rencontrer les associations actuellement accueillies dans les salles paroissiales d'Anguien et qui se préparent à bientôt déménager. Derrière les murs de la maison paroissiale d'Anguin-les-Bains se cache un laboratoire. Ce matin, Angélique y prépare des shampoings solides à base de beurre de cacao avec son assistant Alexandre. Angélique a créé Cosmétange, une entreprise sociale et solidaire fabriquant des savons artisanaux en 2022. Au cœur de sa démarche, le souci de préserver l'environnement, mais aussi un réel engagement social. La majorité des employés sont des personnes porteuses de handicap. Je dirais qu'on est à faible impact environnemental, mais fort impact social. Merci Alexandre. Donc effectivement, on essaye au maximum d'être inclusif en milieu ordinaire de travail pour permettre justement d'avoir un équilibre et une sociabilisation pour nos employés qui soit vraiment satisfaisante. L'après-midi, les salles paroissiales accueillent l'association Élan qui propose des temps d'activité à des jeunes atteints d'autisme non scolarisés ainsi qu'à leurs parents. Ce qu'on propose, c'est d'occuper les jeunes, d'essayer d'attirer leur attention. On n'a aucune velléité de les faire progresser ou de leur faire apprendre quelque chose, juste qu'ils prennent un temps de plaisir, de loisir. Voilà. Et à côté, que les mamans aient 2 heures de détente pour elles. Musique, danse, yoga, de quoi s'échapper d'un quotidien parfois difficile pour les mamans et offrir des loisirs à leurs enfants. Ce petit moment cocooning, que l'enfant il est dans les locaux avec les mêmes bénévoles, il y a maman à côté, ils font des choses différentes. Je vais te dire. Parce que sinon, ils sont 24 heures sur 24 à la maison, et nous aussi.
Dans quelques mois, ces deux associations déménageront à Saint-Gratien, dans le quartier prioritaire des Raguenais. Une chapelle y est rénovée pour devenir le tiers-lieu Saint-Paul des Nations. Le père Alexandre est le curé des lieux. Dans le prolongement de cette chapelle en forme de tente, il y a un certain nombre de salles, aujourd'hui polyvalentes, mais qui, avec la restauration qui va être faite, seront vraiment des salles qui resteront à demeure et adaptées aux activités à la fois paroissiales et des associations qui viendront. C'est important déjà pour l'Église d'être là au cœur de ce quartier et à travers ce tiers-lieu de s'ouvrir également à d'autres associations et activités parce que voilà, c'est pastoral, ça va permettre de faire un lien encore plus fort entre l'Église et les personnes qui y vivent et donc à travers ce lien d'avoir aussi vraiment une dimension missionnaire, évangélisatrice. Une partie de la chapelle restera dédiée au culte pour la messe ou des temps d'adoration. Les travaux sont prévus au moins jusqu'au mois de septembre 2023. On l'a vu, donc l'instauration de ce futur tiers-lieu, c'est une manière de venir au service des familles, de personnes en situation de plus grande fragilité et d'honorer une des priorités d'ailleurs de votre action pastorale. Exactement. D'ailleurs, je trouve que ce reportage montre bien les choses. Dans une lettre, la mission, c'est notre vocation, une lettre pastorale, j'ai donné trois grandes orientations pour notre diocèse. C'était la priorité pastorale envers les jeunes et avec les jeunes. Deuxièmement, les familles, j'allais dire dans tous leurs états. Il y a aussi beaucoup de souffrance dans les familles, en même temps beaucoup de promesses. Et puis, les personnes en précarité. Et donc là, dans ce lieu, on va retrouver mis en œuvre ces trois priorités. Et que le fait que se rencontrent des personnes venant de tous bords, aussi avec des personnes, des jeunes marqués par un handicap, puis en même temps que le lieu est identifié comme un lieu de culte et un lieu de prière, et le nom qui a été donné, donc Saint-Paul des Nations. C'est tout un programme déjà. C'est exact, un programme, oui. Et ça correspond tout à fait à ce qu'est notre diocèse. Donc je me réjouis beaucoup de cette proposition. Ça coûte quand même cher, la rénovation, donc j'en profite le fait que je sois à Cathéo pour dire, voilà, c'est une opération qui coûte, pas loin de 800 000 euros. Alors il y a différentes sources, bien sûr, mais voilà, appel à tous les souscripteurs, parce que c'est un beau projet qui en même temps dit clairement le cœur de l'Église, le cœur de l'Évangile, et en même temps va être ouvert à tous les gens du quartier. Et ça, je trouve que c'est une belle initiative, je souhaiterais qu'il y en ait partout dans le diocèse. Alors vous avez évoqué cette lettre pastorale si importante de 2018. Vous me disiez en préparant cette émission qu'une des multiples conséquences mises en œuvre de cette lettre pastorale, ça a été de transformer le nom des conseils pastoraux et les appeler des conseils de la mission. Derrière ce changement de nom, il y a un changement de quoi ? De dynamique, de perspective ? C'est pas seulement un changement de nom, de fait. C'est que je crois qu'une église qui n'est pas missionnaire, une église qui n'annonce pas l'évangile, de différentes manières, on voit bien d'ailleurs que ça doit prendre des formes différentes. Une église qui n'est pas missionnaire n'est pas l'église du Christ. Donc c'est l'ADN de l'église d'être missionnaire. Donc j'ai pensé que conseils pastoraux, souvent on pense c'est à l'intérieur de l'église. Conseil de la mission, ça nous oblige à regarder, à observer, à écouter, à faire appel à des personnes qui sont aux marges de l'église ou qui sont loin de l'église. Et que ce conseil, qui n'est pas décisionnel, mais soit attentif à tout ce qui est en train de naître, et petit aussi à toutes les propositions qui peuvent être faites pour que l'annonce de l'Évangile soit effective. Vous dites que l'Église doit être par essence missionnaire, bien sûr, et puis elle doit être aussi fraternelle. Comment est-ce qu'on fait pour être de plus en plus cette Église fraternelle et des communautés paroissiales qui soient vraiment des fraternités ouvertes à tous ? Alors, le souci que je partage avec, mais qui est déjà bien en route dans le diocèse depuis quelques années, c'est de créer, c'est pas le seul diocèse d'ailleurs, c'est pas un scoop, mais ça fait partie de la vie chrétienne, comme disciple du Christ, c'est la vie fraternelle. Tous frères et tous fils du Père. Et donc, création de petites fraternités où la parole de Dieu est au centre, la prière est au centre, mais qui sont comme des radars sur la vie du quartier, sur la vie du village, sur la vie de l'immeuble. Et,
Et le rêve que je fais, qui est déjà en route, c'est que les assemblées chrétiennes, la communauté chrétienne, soient des communions de petites fraternités, où on a le souci là, des personnes en précarité, des personnes seules, des personnes âgées, des personnes qui sont des chercheurs de Dieu mais qui n'osent pas le dire. Voilà, et des fraternités où on est heureux aussi de se retrouver, de partager et de vivre aussi l'amitié, c'est tellement important. Vous l'avez évoqué au sujet de votre livre, au sujet des catéchumènes, nous allons justement en savoir plus, puisque 150 adultes du Val-d'Oise se préparent à recevoir le baptême à Pâques. Ils ont vécu la célébration de l'appel décisif dimanche 5 mars 2023 à la cathédrale Saint-Maclou-Pontoise. La veille, plus de 200 adolescents vivaient cette même célébration. Nous sommes allés recueillir le témoignage de Léo, étudiant en génie civil. Il sera baptisé par vous, justement, Monseigneur, le 8 avril prochain, lors de la vigile pascale à la paroisse d'Aubonne. Mes parents ne sont pas réellement pratiquants, bien qu'ils soient tous les deux baptisés, donc mon père et ma mère. J'ai déjà dû faire des messes quand j'avais une dizaine d'années avec la marraine de ma mère, mais ils ne m'ont jamais emmené dans le dogme de la foi catholique. Ils ont été plutôt avec les valeurs et la morale chrétienne, tout ce qui est pardon et partage, mais pas réellement le dogme et tout ce qui est la foi en Dieu. Pendant le premier confinement, lorsque j'étais en classe de première, j'ai commencé à m'intéresser à l'art chrétien, notamment la cathédrale juste derrière moi, tout ce qui est les vitraux et même les peintures, les représentations du Christ et de la religion. Et un an après, j'ai laissé le temps de maturer un petit peu cette envie, j'ai croisé ma prof d'histoire à la sortie d'une messe et je lui ai témoigné de mon désir de conversion. Une grande joie, elle m'a fait part vraiment d'une grande joie. Elle était très, très contente pour moi et m'a orienté vers le prêtre. Elle m'a donné son numéro et j'ai pu rencontrer donc le prêtre une semaine après, vraiment très peu de temps, très peu de battements entre les deux. Il m'a reçu très bien, avec grande joie aussi, il m'écoutait grande joie, avec grande attention. Et m'a intégré donc dans le parcours de catéchuménat que je suis actuellement. Je suis très content d'être baptisé le soir de la vigile pascale, en plus avec l'évêque, l'un des successeurs des apôtres, l'évêque du diocèse, toute ma famille et la paroisse. J'apprends vraiment pas du tout cet événement de communier pour la première fois non plus. Je suis vraiment très pressé que ça arrive, que tout ça se passe. En plus avec la communauté, à la fin du carême, c'est vraiment une grande joie de partager tout ça en paroisse. 200 catéchumènes adultes, 150 catéchumènes ados. C'est le contraire. J'ai inversé les chiffres. 153 catéchumènes adultes et 230 collégiens et lycéens. En tout cas, c'est enthousiasmant. Et puis quand on entend ce témoignage-là, vous qui recevez les lettres, qui êtes en contact avec les catéchumènes, comment est-ce qu'on prend soin de ces nouveaux venus dans la foi ? Alors d'abord, ces lettres sont extraordinaires. Elles nourrissent ma prière d'évêque. Je les lis deux, trois fois, je réponds à chacun. Et je vois déjà qu'avant de recevoir l'Esprit-Saint en plénitude, Dieu est à l'œuvre dans leur vie. Vous avez entendu ce jeune homme. Mais les entrées dans le mystère chrétien, dans le mystère de la foi, sont très différentes. Vous avez vu, là, il y a une dimension culturelle. Pour d'autres, c'est une épreuve difficile. Pour d'autres, c'est une grand-mère. Pour d'autres, c'est un conjoint. C'est le baptême d'un enfant, la naissance d'un enfant. C'est-à-dire que les chemins pour entrer dans les porches pour entrer dans la foi chrétienne sont extrêmement différents. Et alors, ça invite les communautés chrétiennes, la question que vous me posez, à prendre soin de ces jeunes pousses, des jeunes ou des adultes, parce qu'il y a même une femme de 85 ans, mais ce sont quand même des jeunes pousses qui vont être l'importance de la communauté chrétienne. Dans le temps de préparation, l'entrée en catéchuménat, l'appel décisif, les scrutins que nous sommes en train de vivre actuellement, mais ce qui est important, c'est d'en prendre soin après avoir reçu les trois sacrements d'initiation chrétienne, qui se sentent vraiment en famille, dans la communauté, et je pousse pour qu'ils prennent des responsabilités, qu'on laisse la place à ces jeunes néophytes, ils deviennent néophytes, des jeunes baptisés, pour que, avec leur charisme, avec leur don, c'est merveilleux de voir ce kaléidoscope de catéchumènes qui viennent enrichir, c'est assez vrai dans tous les diocèses, qui viennent enrichir la vie des communautés chrétiennes. Alors Léo, il fait partie de tous ces jeunes du territoire dont vous avez la charge, avec une pastorale des jeunes très active. On le disait, il y a le pôle étudiant de Cergy qui est le second pôle universitaire d'Île-de-France. Comment est-ce qu'on peut rejoindre les jeunes sur un territoire aussi contrasté ? C'est un vrai challenge. On se rend compte que les temps forts sont vitaux. Et c'est vrai que dans l'Île-de-France, on a un certain nombre d'étapes. Le pèlerinage à Lisieux pour les 6e, 5e, le frat de Janville pour les 4e, 3e, le frat de Lourdes qui va avoir bientôt lieu à Lourdes. Ils vont être 1200 de jeunes, Thésée aussi. Ces temps forts, pour des jeunes qui sont quand même
très dispersés dans la vie quotidienne, dans leur classe, même dans leur famille, où les repères chrétiens sont extrêmement estompés, c'est important de vivre des expériences qui soient fondatrices. Et donc un pèlerinage, un frat, les JMJ bientôt au Portugal, sont des temps forts qui permettent après de vivre autrement le quotidien. Et c'est ce qui permet aussi peut-être de laisser aussi éclore parfois cette question d'un appel particulier, d'un appel à une vie chrétienne pour tous bien sûr, puis peut-être là, une vocation sacerdotale, une vocation consacrée. Exactement, je pense que ces temps forts sont des lieux privilégiés pour appeler, et j'affirme que nous sommes sans doute pas assez audacieux dans l'appel. Voici un prêtre, quand j'étais lycéen, en terminale, ne m'avait pas interpellé. Stanislas, est-ce que tu as pensé à être prêtre ? Je n'avais pas du tout cette idée dans ma tête. J'étais provoqué, et je pense qu'aujourd'hui, les communautés chrétiennes, j'en profite que nous parlons ici à Catéo pour dire aux membres des communautés chrétiennes qu'il ne faut pas hésiter à appeler. Après, la liberté de chacun va s'inscrire dans sa vie, mais osons appeler parce que, d'abord, c'est une merveilleuse mission d'être prêtre, c'est une merveilleuse mission d'être consacré, c'est aussi une merveilleuse mission de fonder une famille. Et je pense que chacun a une vocation, mais ne sait pas parfois comment être aidé, comment être soutenu pour découvrir quel est son chemin avec le Seigneur. On va partir maintenant à l'écoute de trois questions de terrain, Monseigneur. Alors la première question, elle vient de Talia, qui va être baptisée en même temps que ses deux sœurs cette année. On l'écoute. Je voulais poser une question à l'évêque. Qu'est-ce qui l'a inspiré à être prêtre ou même évêque? Qu'est-ce qui l'a inspiré? Alors, j'ai déjà un peu répondu à la question. Je ne le connaissais pas. Hein. Je découvre les questions en direct. Ce qui m'a inspiré pour être prêtre, c'est l'appel d'un prêtre, un aumônier de lycée, qui m'a dit « Stanislas, est-ce que tu as pensé à être prêtre ?» Je n'avais pas du tout pensé. Et entre l'âge de 16 ans et puis l'âge de 27 ans où j'ai été ordonné, il y a des étapes, bien sûr, mais ça a été de donner ma vie pour le Seigneur et de donner ma vie pour ceux dont j'allais prendre soin. Évêque, c'est un petit peu différent parce que là, c'est... Il faut peut-être expliquer à Talia qu'évêque, c'est un peu différent, c'est oui, ça? Oui, j'explique à Talia de fait qu'évêque, c'est un peu différent. Là, c'est quand un diocèse attend un évêque, parce que l'évêque a pris sa retraite ou il est devenu émérite, voilà, par exemple. Eh bien, c'est le pape qui, après avoir reçu les conseils d'évêques, de laïcs, etc., propose à un prêtre de devenir évêque. C'est comme ça que je suis devenu évêque de Coutances, puis ensuite évêque de Pontoise. Là, on n'est pas candidat à être évêque, mais c'est le pape, le successeur de Saint-Pierre, qui vous demande. Et puis, on a aussi à répondre librement, comme les confirmants répondent à l'appel de leur prénom. Me voici. On écoute maintenant Soniquette de la paroisse de Sarcelles. Bonjour Monseigneur, comment répondre aux gens qui sont choqués par l'enseignement du pape? Alors je ne sais pas très bien ce que signifie la question. Est-ce que c'est sur les questions morales ou est-ce que c'est sur les questions... c'est vrai que le pape, sur un certain nombre de questions de société, dit les choses de façon forte. C'est aussi le tempérament du pape François, mais déjà Jean-Paul II aussi, et Benoît XVI. Et donc je pense que le pape a une parole souvent assez prophétique et provocatrice pour dire, bon, mais comment vous allez vivre votre foi personnellement, avec les autres? De fait, il intervient sur les questions éthiques, hein, sur les questions autour de la vie, autour du respect de la vie, autour de la paix. Eh bien, je pense que c'est important de recevoir avec bienveillance, d'entendre vraiment les appels du pape, comme les appels des évêques aussi. Voilà. Une dernière question d'Audrey, responsable de l'aumônerie et de la chorale dans la paroisse de Saint-Ouen-l'Aumône. Bonjour à tous. Bonjour. De nos jours, les jeunes sont attirés par tout type de réseaux sociaux, TikTok, Snapchat ou encore Instagram. Comment on pourrait utiliser ces moyens de communication pour les ramener à Dieu, les ramener à la foi? Je trouve que c'est une bonne question
que tu poses, Saint-Ouen-l'Aumône est tout proche, il suffit de traverser l'Oise, arriver de Pontoise à Saint-Ouen-l'Aumône. Je trouve que ces réseaux sociaux sont, je vais dire, deux choses. D'abord, c'est une immense chance, parce que ces réseaux sociaux, ça permet aux uns et aux autres de délivrer des messages, d'en écouter d'autres, et donc ça peut être un atout pour l'annonce de la bonne nouvelle. Puis en même temps, il y a besoin de discernement, parce qu'il y a tout et n'importe quoi. Il y a de très belles choses, et puis il y a aussi des choses qui ne vont pas du tout. Donc ça demande un discernement, c'est donc aux éducateurs, aumôniers, animateurs, catéchistes, parents, d'aider des jeunes aussi à ce discernement. Et donc, en même temps, c'est magnifique, et en même temps, il faut être attentif et prudent. Alors on arrive déjà, Monseigneur, dans la dernière minute de l'émission, ça va très vite. Vous posiez la question qui nous ouvrira le bonheur. Après tant d'années comme baptisé, comme prêtre, comme évêque, pour vous, avec tout ce que vous avez traversé, qui vous ouvre le bonheur aujourd'hui ? C'est clair que pour moi, c'est le Christ. Et c'est vrai qu'on n'a jamais fini, je n'ai jamais fini de le découvrir. On a entendu il y a peu de temps le récit de la rencontre de Jésus avec la Samaritaine. Je crois que c'est un récit qui est très fort et qui est très porteur. Mais mon expérience d'évêque, c'est que je rencontre le Christ beaucoup aussi à travers le visage des frères et des sœurs que je rencontre. Je parlais des lettres des catéchumènes et des confirmants. Je suis en pleine visite pastorale actuellement dans le doyenné d'Herblay, Taverny. La rencontre des chrétiens me fait découvrir le bonheur d'être aimé, le bonheur de croire. Et mon désir le plus profond, c'est que cette bonne nouvelle, elle soit connue du plus grand nombre, parce que c'est ma joie depuis que je suis prêtre, depuis que je suis évêque, et je désire que cette joie, elle soit partagée. Merci beaucoup, Mgr Stanislas Salan, d'être venu sur le plateau de la vie des diocèses. Pour en savoir plus sur le diocèse de Pontoise, rendez-vous sur le site du diocèse catholique95.fr. Cette émission est à retrouver sur catheotv.com. Merci encore pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.